Voilà, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu vous dire des programmes et que je vais prier pour vous tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté à la radio? Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté hier à la radio? Lève ta main. Levez vos mains. Un, deux, trois. Vous êtes trois. À la fin, on va causer dans le bureau. Vous êtes trois, hein? À la fin, je reçois les trois. Je suis fatigué, je ne reçois pas quelqu'un. Voilà. C'est les trois que je reçois à la fin. Voilà. La restauration pour ton foyer. La restauration pour ton foyer. La restauration pour ton foyer. Dieu parle à quelqu'un, son foyer sera restauré. Amen. Dieu parle à quelqu'un, son foyer sera restauré. Tous les commandos qui n'ont pas mis veste, dimanche prochain vous allez descendre. Tous les commandos qui n'ont pas mis veste, dimanche prochain vous allez descendre. Si vous pensez que c'est faux, venez encore en tricot ou bien en chemise par exemple. Alléluia. Voilà, je passe à la radio deux fois par semaine. Ça fait 200 000 par mois. Tous ceux qui sont vraiment les enfants de Dieu, venez prendre votre enveloppe dimanche prochain et vous reçoivez dans mon bureau. Tous ceux qui sont vraiment les enfants de Dieu, venez soutenir votre père dimanche prochain et vous reçoivez dans mon bureau. Venez. 10 000 francs. Venez vite. Venez vite. Venez vite. Dieu va vous bénir. Venez vite, 10 000 francs dimanche prochain pour soutenir les passages de votre père. Voilà, elle, elle a pris deux. Quand tu vas te marier là, ton gâteau de mariage, les gens ne vont pas donner. Que Dieu te bénisse. Voilà, quelqu'un là, André, prends vite le feu. Venez, vous qui avez pris. Voilà une maman qui m'a écouté, mais qui prend quand même. Tous ceux qui ont pris en venant, venez, on va prendre votre nom et puis votre numéro. Venez vite, venez vite. Bébé, tu prends aussi. Je répète, tous ceux qui ont pris enveloppe, venez devant, on va écrire votre numéro et puis votre nom. Le dimanche prochain, il va vous recevoir dans mon bureau. Venez. Votre papa dépend 200 000 par semaine. Non, 200 000 par mois. Et quand vous prenez, vous l'aidez à évangéliser. Voilà le frère qui a levé sa main. Il dit qu'il est venu pour la première fois. Mais il a pris. Vous qui êtes autant ici, vous faites quoi? Oh, honte. Oh. Venez prendre. Vous donnez votre nom et puis votre numéro. Et puis vous donnez le numéro de votre enveloppe. Numéro 10. Tu mets son numéro à côté. Venez vite. Voilà une maman qui m'a entendu pour la première fois. Voilà mon joli bébé libanais, Samira. Elle a eu son travail, elle a rendu témoignage. Acclamons Jésus. Elle a payé sa dîme. Tu mets le numéro à côté. J'ai numéroté toutes les enveloppes. Toi, viens et être embrassé. Tu es la seule que j'embrasse ce matin. C'est la seule que j'embrasse. Attends, compte-toi, je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde un bon mari, un bon mariage. Tous ceux qui disent pas, mais vous êtes des sorciers. Mets le numéro à côté. L'un contacte depuis le numéro de l'enveloppe. Je dis, en général, vous ne comprenez pas. Chaque mois, il dépend 200 000. Venez prendre votre enveloppe. Tu as jusqu'au dimanche prochain pour donner. Lève-toi. Il y a trois personnes qui doivent se lever. Je sens dans mon esprit. Il y a trois. Venez prendre. Il y a trois personnes qui doivent se lever encore. La première s'est levée. Voilà. Il y a dit trois personnes. C'est quatre enveloppes qui sont collées dans ma main. Donc il y a quatre personnes. Venez prendre. Venez prendre. Vous ne savez pas que quand je prêche à la radio, ceux qui reçoivent un miracle. La bénédiction, c'est sur vous que le Seigneur va mettre. Venez prendre, vous n'allez pas regretter. Dimanche prochain, vous apportez ça. Il y a trois personnes qui doivent venir prendre. Tu es là, tu te demandes où il y a à avoir 10 000. Oh, c'est quand tu vas te lever que tu vas avoir 50 000. Tu vas avoir 100 000, tu vas avoir 30 000. Parce que Dieu a vu que tu t'es levé. Il y a un commando qui a perdu son téléphone. Et malgré ça, il prend un. On acclame Jésus pour mon fils. Son téléphone est perdu. On avait émergé un gars ici, il a volé le cellulaire avant de fuir. Un téléphone de 90 000. Voilà, ma fille a c'est tout. Voilà. Ma nouvelle fille, la soeur de mon ami Zozoro, le prophète. Il y a quelqu'un encore? Aidez votre père. Votre père ne peut pas payer sa maison à 150 000 par mois. Payez encore les trucs, payez encore. Actuellement, Julie même est venue enlever souffrance sur moi. J'imagine que c'est 245 000. C'est moi encore, il y en a enlevé 245 000. Marie, vous me devez 4 millions, n'oubliez jamais ça.
as oublié de tu fais son blase. Tu peux pas amener. Vous me devez 4 millions et quelques. Faut écrire ton papier, petit. Il reste un. Tu mets le numéro de l'enveloppe à côté. Hein? Ok. Aujourd'hui, à vous donner des informations, on ira à la plage. Dis amen bien. On ira à la plage. On va faire 5 jours pour Jésus. On termine le lundi férié à la plage. Le pasteur Atumani va aller réserver une plage. On va vous dire le prix de transport. Voilà. Donc, retenez, pendant qu'ils sont en train de prendre leur nom, le jeudi est le 1er avril. Nous, on commence notre fête de Pâques le 1er. Tout le monde au Vatican pour la projection de films, la passion du Christ. C'est la semaine de Pâques. Donc nous, on commence, on montre qui est mort pour nous. Le vendredi, la nuit de la guerre. Le samedi, 3 heures de louange. Et puis le dimanche, la Pâques. Le lundi, nous tous à la plage. Sortie des tentes. Nous tous à la plage. Le cas gars ici. Et puis on se suit. On s'en va nager, on revient à Didier à 18h. Et puis notre fête de Pâques est finie. Ça sera la meilleure semaine de notre année. Donc Marie commence à noter, tu es là aux annonces. 5 jours de Pâques avec Jésus. 5 jours de Pâques. Le jeudi, 1er, projection de film, 20h, 22h. Le vendredi, minuit 1. Vendredi, 20h à l'aube, la nuit de la guerre. Samedi, 18h, 21h. Spécial loin, les artistes vont venir. On va préparer un cachet pour eux, on les invite. Si on a pu tomber sur Nestor David, les Richard Crémé, on va danser pendant 3 heures. Quand ça finit le dimanche, le culte aura lieu au petit marché de Marco. Ça aura lieu ici, hein. On sera au Vatican. Ma fille Marie est partie à la mairie et puis elle a l'eau au commissariat. On a déjà réservé les 3 jours à la mairie. Les jeunes du quartier, eux, on doit leur donner quelque chose. On va leur donner quelque chose, puis c'est fini. Donc, tout le programme va se passer du jeudi 1er avril. Tout va se passer au Vatican. On vient regarder comment Jésus est mort, pourquoi il est mort, comment il est ressuscité. Ça, c'est moi-même qui ai fait le film. Quand ça finit, on bénit le Seigneur. On revient maintenant vendredi. Tout le monde tenu de guerre, palais, peut-être pour bénir le mois d'avril. Et puis, quand la veille finit, on va à la maison. On revient le même samedi. Là. On revient à 18h pour danser. Il n'y a pas de groupe musical, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas pareil. On danse. On danse de 18h à 21h. Dès qu'il est 21h, il fait prière finale. On s'est à la maison. Le dimanche matin, on vient faire le culte. Et puis à 15h, agapé. On va manger. Moi, je donne 70 000. On va préparer, on va manger. Comme on appelle ça, chop gain un poulet. Ou bien à checker poulet. Tout le monde aura sa sucrerie, tout. On fête. Voilà. Quand le culte finit à la Pâque, on fête. Maintenant, le lundi, c'est férié de Pâques. Il n'y a pas de travail. Tout le monde ici, le cas prend tout le monde. On s'en va nager. On ne veut pas avoir des tenues qui rentrent entre les fesses des femmes. On ne veut pas ça. On ne veut pas avoir des bains qui rentrent entre les fesses des femmes. On veut prier le Seigneur en paix. On veut nager en paix. Nous les hommes, on veut être en paix devant le Seigneur. Donc les grosses culottes des femmes, les grosses culottes. Voilà, si vous ne connaissez pas, allez à Bassam, on va vous donner les culottes. Mon fils Daro, tu as calé ton fils. Mais qui t'a invité là? Ce matin, tu es passé comme ça. Ah, tu es venu présenter quelque chose. Tu as présenté. Voilà, donc le samedi, mon fils Dao, la chanteuse, ma femme, rendue de Christ, ont commencé à toucher les artistes. On commence en même temps par la louange. Je vous ai dit, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu vous donner une exhortation. Mon fils Dao a un message à faire passer. Avant que je continue, je vais l'inviter, sûrement il est pressé. Acclamons Jésus pour le chant Dao. Voilà, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand chant. Oui, on chante mercredi, jeudi c'est film. Tu ne peux pas descendre à 18h pour venir regarder film. Alors vendredi, tu descends à 18h, tu viens. C'est pas dit. Non, il dit d'abord, on va parler d'abord. Est-ce que dernier est fini? 3 jours à 5. Voilà, acclamons Jésus pour le grand chant. Un ancien musulman qui a donné sa vie à Jésus, encouragez-le, acclamons le Seigneur. Amitié, être à la fois, ça va être à la fois. Tous les essais,
béni d'être parmi les merveilleux enfants de Dieu. Alléluia. Et je suis béni d'être dans ma maison. Ici, c'est chez moi parce qu'ici, c'est le Père. Alléluia. Donc, je ne suis pas étranger, papa. Papa, je suis venu porter à votre connaissance par rapport à la sortie de mon nouvel album. Voilà, et la dédicace aura lieu, Dieu voulant, le 3 avril. J'espère que... C'est quand ça s'appelle... Ah, c'est adulte, c'est qu'on vient très fort au foyer des jeunes, et puis après on vient très fort, vous voyez, non? Allez, chez nous, ça commence à partir de... à l'espace OBV, juste là-haut, là-bas, à partir de 14h, on finit à 17h, plus on a 18h. Ouais, nous, on commence là-bas à 18h. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, gloire à Jésus, ma calme le Seigneur. Donc, papa, ici, venu vous apporter votre invitation d'honneur, puisque vous êtes nos invités de choix. Amen. Voilà, il faut acclamer le Seigneur pour le Père. Gloire à Jésus. Donc, c'est le Père. Et tous ceux qui voudront participer à ce moment-là, c'est la carte d'invitation est là. C'est gratuit. C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Voilà. Mais il y a quelqu'un, il y a un hic. Il y a un hic. Voilà, parce que c'est une dédicace. Une dédicace, ça va venir au concert dédicace et tu vas te retourner ça au moins le CD du chant quand même. Oui, il faut que dédicacé. Tu aies quand même le CD. Voilà, voilà, pour l'encourager parce que c'est... après ça. On les chants, on doit beaucoup les aider. Voilà, parce et que. La cassette est encore le CD. Le CD sera 5000. Oui. Voilà, 5000 voix, voilà, plus. Si on fait juste pour pouvoir soutenir. Et après ça, on doit faire la publicité. Et puis tu écoutes les mabou quand tu es arrivé. Voilà. Et puis tu écoutes les mabou quand tu es arrivé. Il faut payer sa cassette. On va dire. Et après, et juste après la dédicace, on aura juste un petit cocktail pour pouvoir partager. Moi-même, je vais prendre une cassette. Amen. Moi, merci. Acclamez le Seigneur pour le papa. J'ai toute sa cassette avec toi. Voilà, on est en train de la merde. Bon, bah, il va mettre un son. Bah, est-ce qu'il est dans nous un 3 minutes? Voilà, un son. Voilà, merci. Non, à, une nouveauté là, c'est pas plaît. Une nouveauté là, ça c'est une surprise. Ah, ça. Une nouveauté, va prendre ça. Eh, ça c'est une nouveauté là, le gars. Bon, vous m'envoyez là. Il reste au-delà de quelqu'un, il n'y a pas de rien. Toi, dis-moi où j'ai après toi. Tout le monde va passer. Maman Grâce, elle va dire quelque chose. Le doyen a parlé. Maman Grâce va dire quelque chose. Excusez-nous, hein, je ne vais pas prêcher. Quand il va finir à donner les informations, il va vous toucher un peu. Et puis ceux que les doigts recevront au bureau, il y a des recevoir. Gloire à Jésus. Merci. Allez, maman de bébé a pris. On a pris le Seigneur. Oh, merci. Il y a une qui a pris. Va prendre son nom. Voilà, elle est là pour amener à ton père. So! Allez, sors, allez, sors, papa. So! So, va! So! Ma salle est sous le brisola. Et mon petit est sous le envoyé là, si le monde va ça. Il est là, elle est décalée. Jésus-Christ,
mon amie Christ. Christ, il vous parle à ma alma, si à ma salle de la Yesu, on vit pour la mettre la fouille, il est cassé, ni canoué. Dans ton lait, il va tomber, il y a un cassou, là où il y a pas qui a si tu en as du ou pas ça. On est dans la ville qui est la gamme, ma salle de Yesu, on est qui est la gamme, et dans tout le monde, il est dans les mises à la gamme. Ça, ça, Jésus, la vie, il est la gamme, ma carrière. La salle au bébé. Donc, ceux qui pouvaient participer, les invitations sont là. Et que Dieu vous bénisse. Anti encore, Anti. Et sous le. On l'acclame le Seigneur, mets-toi à genoux. Tendez les mains vers lui. Il a une grande carrière. Amen. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche. Il y a une clé qu'il va trouver un jour. Cette clé-là va l'amener dans les nations et dans les pays. Celui qui croit dit trois fois. Amen. Ma fille Marie va te donner mes 5 000 pour la cassette. Moi pour mon CD. Il faut lui donner pour moi. Maintenant, les invitations, je ne comprends pas bien. Tu partages ou bien, c'est quoi? Ça dit quand tu prends, tu dois donner 5 000 pour la cassette. Oui. Ah. Oui. Maintenant, je ne comprends pas. Quand tu prends ça, ça c'est gratuit. Tu prends, tu rentres. Maintenant, quand ils vont demander l'accès, le CD, c'est là le CD à 5 000. Ça, c'est pour l'entrée. Lui qui n'a pas ça, il ne rentre pas. Donc, il faut pas, il faut donner. Je ne sais pas comment on va faire ça. Ça veut dire que. Non, on dirait, on ne se comprend pas. Lui qui prend ça doit prendre une cassette. Non. Lui qui prend ça doit prendre une cassette. Ah non, patate. Ça veut dire que lui qui prend ça, donc, tu es laissé combien dans cette église? Voilà, c'est bon, vous qui voulez partir, levez leurs mains. Ils ont donné 5 000, ils sont de 5 000. En réalité, c'est pas des champagnes, c'est 5 000 la clé. Voilà, un qui dit qu'il est parti. Donc, faut donner. Vous m'avez dit que tout le monde est comme vous. Voilà, deuxième main. Faut donner. Donne. Voilà. Vous savez, pour faire cassette, il a mis combien dedans? Aidez-le. Il y a une chambre qui est passée ici, elle a vendu sa cassette à 1000 francs. 19 cassettes. C'est parti, mais ils ont vendu 1000 francs. Ils ont tout pris 1000 francs. Après ça, tu dois passer à Bénin TV, beaucoup de choses. Encouragez-le. Hein? Et le soir, là, nous, notre programme là-bas, c'est pour danser. Tu n'as pas venu faire offrande. Donc, va faire offrande là-bas en même temps. Si tu fais offrande samedi, ça fait quoi? Oh là, il y a combien de personnes qui ont pris? Deux seulement. Deux, plus moi, trois. Encouragez-le. Ah, c'est 5 000 qui l'est. Les 5 000 là, ça a changé un peu la figure.
Que Dieu te soutienne, mon fils. Que Dieu te soutienne. Voilà. Monsieur Yakou a pris. Dieu merci. Monsieur Yakou, encouragez-le. Mais vous qui n'avez pas pris 5 000 ans, mèche que vous allez aller payer dans la semaine. Là. Les poules vont se promener dans mèche. Les poules vont se promener dans vos cheveux. Un jeune artiste musulman qui a donné sa vie à Jésus, de l'encourager. Vous ne prenez pas. On va vous voir. Mon mèche, la cafard, mon vieux poursuit ça comme ça. Vous attrapez. Mon fils, soit béni. Dieu va remplir le lieu. Il va remplir le lieu. Soit béni. Voilà, comme si quelqu'un derrière toi change d'avis, on fait comment? Si quelqu'un veut prendre, tu es déjà parti, on fait comment? Il y a un numéro dessus. Donc laisse ton numéro à Marie pour ceux qui veulent. Ça y est, quand le mois prochain. Ah, mais c'est que chaque dimanche, on va parler de ça, beaucoup vont prendre. Faut laisser peut-être 10 ici. Faut laisser 10 à ma fille Marie, 10. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Dis à ton voisin, on ne sait jamais. Donc retenez bien. La fête de Pâques est la seule fête où les chrétiens fêtent mal. Même les gens de Maquis où vous faites mieux que les chrétiens. Donc nous, on a décidé de faire sentir la fête de Pâques. On a décidé que quand ça passe, tout le monde dit oui, on a fêté. Donc on va commencer le 1er avril. Ça tombe un jeudi. Le jeudi, là, trouvez-moi au petit marché de Magori sur le terrain Vatican. Je serai là-bas de 20h pour faire la passion du Christ. On va voir comment Jésus a souffert, pourquoi il a souffert, pourquoi il est ressuscité et pourquoi on fait la fête de Pâques. Pendant que le film va passer, écran géant, Dieu merci, on a 3 écrans géants, on va prendre un seul, on va faire. Et puis, il va vous enseigner pourquoi on dit la Pâques. Parce qu'il y a Pâques S et puis il y a Pâques sans S. Quand vous regardez bien, on dit fête de Pâques, il y a 2 Pâques. Il y a Pâques et puis il y a S. Et puis il y a Pâques où il n'y a pas S. La Pâques où il y a S, c'est la fête de, comment on appelle ça, des Juifs. Et puis la Pâques où il n'y a pas S, c'est la fête où Jésus est mort. Donc quand ils sont sortis de l'Égypte, ça c'est Pâques et S. Mais quand Jésus est mort, ça c'est Pâques sans S. Je vais vous expliquer ça pendant que le film passe. Maintenant, quand on a fini le film, quand on s'en va dormir, demain vendredi, on jeûne jusqu'à 18h. Le jeudi même, là, on commence à jeûner mercredi. Mercredi, ce n'est pas le 1er avril, ça doit être le dernier jour du mois, voilà, le 30. Donc, on jeûne à 18h. Maintenant, quand on vient, on descend à 18h mercredi, on quitte à la prière. Le jeudi, on jeûne, on va au terrain, on regarde le film, tout le monde va à la maison. Le vendredi, on jeûne, mais c'est vendredi. Donc, tous les premiers vendredis, on a la nuit de la guerre. Chacun vient avec balai, une bouteille d'huile pour consacrer sa maison, son magasin, son atelier où il dort, ou bien où il vend. Sa société qui ne marche pas, il va aller verser l'huile au nom du Seigneur. Et puis quand la veille est finie, on s'en va dormir. Tous ceux qui peuvent aller au concert, vous partez au concert de mon fils Dao. Et puis quand ça finit, vous nous retrouvez au terrain. Au terrain là-bas, ce n'est pas prédication. Il n'y a pas prédication. On met musique, on danse pendant 3 heures. Quand ça finit, on va dormir. Le dimanche matin, c'est le jour de Pâques. On célèbre le Seigneur qui a donné sa vie pour nous sauver. À la fin du culte, tout le monde s'assoit. Sucrerie, boisson, qu'est-ce qu'il dit boisson non alcoolisée. Sucrerie, les maltas, les choses comme ça. Hein, les trucs qu'il n'y a pas d'alcool. On partage à tout le monde. Hein, coca, fanta. C'est la fête. Hein. Musique continue, on danse et puis on mange. On danse. C'est ça que tous les gens du marché vont venir danser et puis manger. Même ceux qui ont fini la culte dimanche, en passant, ils vont manger. Moi, je donne 70 000 pour préparer la nourriture. Acclamons le Seigneur. Ça c'est moi. Toi aussi, il faut que tu donnes quelque chose. Chacun prépare la maison. On va nourrir les orphelins, les pauvres, les veuves. Amen. Maintenant, quand on va finir le dimanche, vous venez le lundi tôt ici. Je ne sais pas combien le cas va coûter. Nous tous, on s'en va à bassin. On s'en va nager. Les femmes, pas de calaison qui rentrent entre les deux fesses. On ne veut pas souffrir. On est dans le Seigneur. On veut être en paix. Laissez-nous prier en paix. Voilà, ne venez pas mélanger notre esprit. Tout le monde grosse culotte. Hein, tu as pris le numéro de la fille là. Son enveloppe numéro. Oui, Marie. Oui, tu le donnes maintenant. Non, tu n'as pas ta qui prend. Paye ma cassette. Voilà, mon frère. Tu prends bien après, tu m'as. Faut le donner. Écoutez. À partir de ce jour, je prêche jusqu'à la fin du mois. Je prêche le matin, je prêche le soir, jusqu'à la fin du mois. On va commencer un séminaire
On va parler du retour de Jésus. Je commence le mercredi, jeudi, vendredi. Dimanche, premier que tu as mon, deuxième que tu as mon, troisième que. Jusqu'à la fin du mois, ici, il est venu prendre le contrôle des commandes. Donc, le mercredi, là, venez, il va vous enseigner le mariage. Tu n'arrives pas à te marier, l'argent ne reste pas dans ta main. Pourquoi l'argent ne vient pas? Et quand ça vient, pourquoi ça ne tue pas dans ta main? La sorcellerie. Il va vous enseigner beaucoup de choses. Donc le mercredi, on commence un séminaire. Séminaire veut dire quoi? On reste sur un thème, mais on parle de ça. La même chose, on parle de ça sur plusieurs jours. Donc on va commencer séminaire voyage, séminaire mariage, séminaire bénédiction. Pourquoi l'argent ne vient pas? Pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi tu dors chez tes parents? Pourquoi depuis là tu ne réussis pas? Pourquoi bébé ne vient pas dans ton ventre? Pourquoi tu tournes en rond? C'est ce qu'on appelle séminaire. L'homme de Dieu arrive, tout le monde assis, un cahier bic. Ceux qui savent écrire, on bic. Et puis on note. On commence le mercredi à partir de 20h. On finit à 21h jusqu'au vendredi. Le dimanche, prenez tout à moi. Je serai avec vous, moi seul, jusqu'à la fin du mois. Amen. Je vais vous enseigner. Donc le mercredi, venez. Tous ceux qui sont allés à l'école, venez à Piquefeu. Il va vous enseigner la parole de Dieu. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi depuis là, quand vous dormez, quelqu'un s'en pisse dans la douche et puis il dit pas l'eau. Vous dormez à la maison, un gars s'en va pisser, mais il ne tire pas l'eau. Pourquoi? Il allait faire quoi dans la douche? On n'entend pas de bruit de pipi. Quand quelqu'un pisse dans l'eau, dans le trou, on n'entend rien. On ne sait pas ce qu'il allait faire. Il va vous révéler le mystère. Pourquoi quand tu dors, les assiettes se renversent dans la cuisine et vous. C'est pas tout qui est souris. Pourquoi quelque chose quitte à l'étage et puis ça tombe à l'étagère? Ça quitte et puis ça tombe un coup comme ça. Pourquoi tu entends un bruit? Pourquoi Kafa est passé sur toi? Tu dormais et puis Kafa t'a réveillé. Pourquoi? C'est Dieu. Mais toi tu sais pas. Pourquoi souris t'a réveillé? Pourquoi la mouche l'est rentrée dans ton lit et puis ça t'a réveillé? Pourquoi le moustique là t'a piqué? Pourquoi il t'empêche de dormir? Pourquoi tu es dormi et puis le moustique là est à côté de toi? Tout a un message. Donc le séminaire commence le mercredi, jeudi, vendredi. Et puis l'autre semaine, on prend un autre séminaire, parlant de mariage. Tu tournes en rond, tu es belle, on couche à toi, on te caresse, on t'embrasse, mais on ne te marie pas. On t'embrasse, on te caresse, on couche à toi, et puis on te laisse. Et ta forme, ton thé, ta taille, et ta beauté, personne ne met bague sur toi. Pourquoi? Il va vous enseigner. Pourquoi les gens résident? Les Libanais ne prient pas Jésus. La plupart d'entre eux ne sont pas chrétiens. Pourquoi les shawarma marchent? Pourquoi quand ta boutique ne fait pas? Pourquoi depuis là, toi, tu souffres? Pourquoi l'argent, là, depuis là, ça fait plus 1 million pour que tu mettes en banque? Pourquoi l'argent que tu as là, ça finit? Donc, la semaine qui vient là, moi-même, je reprends le contrôle de l'église jusqu'à la fin du mois. Je vais vous enseigner beaucoup de choses. Donc, mercredi, on commence le séminaire. Séminaire veut dire quoi? On reste un thème sur plusieurs jours. On développe ça. Vous pouvez poser des questions, même les questions les plus pertinentes. Au nom de Jésus, on dit amen. Ma fille, lève-toi. Lève-toi. Et Marie, notez, hein, c'est la première qui a payé ma voiture. Viens. Viens, arrête-toi. Voilà. J'ai prié pour un monsieur, il a été guéri, il a payé la voiture de l'homme de Dieu. Il pissait 10 fois par nuit. Et quand il a décidé de dire payer la voiture du pasteur, les gens ont commencé à continuer. Ils sont, ah, la première qui a donné, c'est samedi. Ça a resté dans l'histoire de ma voiture. Maintenant, elle a une femme qui a une ONG. Pardonnez, ne montez pas sur votre vie. Si tu n'es pas veuve, si tu n'as pas perdu, si tu n'as pas perdu mari de tes enfants, si le papa de tes enfants n'est pas mort, il ne faut pas te lever. La femme là, qu'elle connaît, c'est une femme qui recense toutes les femmes veuves. Et puis on leur donne quoi? Des congélateurs. Frigidaire, congélateur. C'est-à-dire, une fois que tu es dans la liste de la femme qui est là, quand ça a commencé là, tu viens porter ton frigidaire, congélateur. Mais elle vient de quitter où? Ne tuez pas mon mari. Hein. Elle vient de poser une ancienne en chaise au Burkina, donc elle vient d'arriver. Elle est arrivée. Donc elle doit rencontrer sa fille. Moi, c'est les veuves. À la chose à la veille de Jésus. Ils ne sont pas mariés, mais papa de là en fait. Non, enfin, bon, ce qui est sûr, c'est les veuves. Elle fait des dons à beaucoup de d'autres communautés, mais elle s'occupe d'elle. Elles sont seules à mourir là en fait. On fait le même de bon, enfin. Voilà. Vous mettez des orphelins, des veuves. On doit se rencontrer au fait.
c'est une femme influente et puis bon, elle pose des actions. Donc avant de rentrer dans la nouvelle année, vraiment, il y avait un groupe de femmes que là, vraiment, elle les a satisfaites. Bon, ce qui est sûr, je connais sa sœur avec qui je prie ensemble. Et on a une petite communauté où on prie ensemble à Benjervi. Donc, bon, comme elle sait que j'ai perdu aussi mon mari, donc elle a dit qu'elle doit bon, me présenter à cette dernière. Donc, la semaine passée, elle était au Burkina. Donc, elle vient d'arriver. Donc, au moment où j'étais dans le bateau bus, je l'ai appelée. Et elle me dit que ce soir, elle doit la rencontrer. Et puis, bon, ils vont. Non, c'est bien. Donc, je répète, tu es seul à élever ton enfant. Papa de l'enfant que tu élèves là est mort. Viens mettre ton nom sur la liste. Naï, lève-toi. Vous venez, vous allez voir mon fils. Viens. Vous allez voir mon fils Naï. C'est celui où mon esprit est tombé. Voilà, venez vous faire inscrire. Tous ceux qui ont perdu leur mari ou papa de leur enfant. Vous êtes on dit les femmes orphelines, c'est ça non? Et les femmes veuves. Voilà, une fois que tu as là-bas dit orphelin, on dit tu es femme veuve. Voilà, vous venez le voir à la fin. Il va prendre votre nom et puis votre numéro. À la fin, vous venez et puis la femme là va vous mettre en contact avec elle. Ils vont vous donner le frigidaire. Amen. Amen. On va se tenir debout. Je vais prier pour vous tous. Tenez-vous. Je vais prier pour vous tous. Lève tes deux mains. Il a fini de prêcher. Il n'y a pas de prédication. Je vais prier pour vous. Lève tes deux mains. Je reconnais. Joue les notes qui me plaisent. Comme tu as joué la fois passée. J'ai bien crié sur toi la fois passée. C'est maintenant que tu joues au clavier. Depuis que tu joues là, ce n'est pas clavier que tu joues. Voilà. Lève les mains. Il y a vous toucher. Et puis ceux que je dois recevoir au bureau. Il y a les recevoir. Donc retenez, le mercredi, le séminaire commence. Voilà, maintenant la porte a changé, on évolue en séminaire. On commence le mercredi. Le jeudi, on finit le vendredi. Je prends un point, on développe ça pendant 3 jours. Le dimanche, c'est moi qui serai là aux 3 cultes. C'est comme ça qu'on va faire. Je prends le contrôle jusqu'à la fin du mois. Voilà, on s'en va en séminaire maintenant. Le thème principal du séminaire, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On va toucher le point mariage, le point libéralité, soutenir le Dieu, le point prière. On va toucher tous les points. Et puis à partir du mois prochain, je relaisse encore le micro. La journée, les maris vont organiser les sorties à la plage, les programmes du débat. Mais moi, je prends le bateau jusqu'à la fin du mois. Lève-toi, on va chanter Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tout le monde. Et que rien ne fasse impossible. Je reconnais à la fin de la masse. Et tu peux tout, et que rien.
Je te connais,
Seigneur. Il va vous toucher, vous tous. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Parle à Dieu.
Dieu, recevez. Joue doucement. Recevez. Recevez. Aidez ceux qui pleurent, comme Adassa, aidez-les. La main de Dieu touche ton cœur. Dieu est dans cette adoration. Reçois ta consolation. Elle n'est pas la seule. Adassa n'est pas la seule. Tu rencontres un moment difficile. Le vent de Dieu vient à ta rencontre. Comment tu manges, personne ne sait. Comment tu t'habilles, personne ne sait. Comment tu nourris tes enfants, personne ne sait. Personne ne s'occupe de toi. Personne ne sait, aidez-les. Comment tu nourris ton enfant? On s'en fout de ça. Personne ne s'occupe de toi. Toi seul tu le nourris. Toi seul tu t'habilles. Tu es là, tu traverses des moments difficiles. À qui tu vas expliquer tes problèmes? Qui est là pour t'écouter? Il n'y a plus papa. Il n'y a plus maman. On les a tous enlevés. Toi seul tu es livré à toi. La forêt autour de toi. Tu traverses un moment difficile. Où tu vas trouver du travail? Le Seigneur te parle à travers ce chant. Il y a une onction dans ce chant. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Même pour toucher 10 francs, c'est dur. Quand tu regardes ton âge, tu as honte de demander l'argent. Comment tu as fait aussi, tu ne sais pas. Mais la main de l'Éternel arrive. Il y a un fond de consolation. Il y a un grand mouchoir qui quitte au ciel. Ce mouchoir-là, ça peut essuyer les larmes. Ce mouchoir-là, ça peut essuyer les plaies. Ça peut penser les blessures. Ce mouchoir-là, ça peut dire, il y a quoi à des gens? Il y a quoi à des gens qui souffrent? Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. C'est toi-même qui te débrouilles. Si tu te lèves pas à ton Jésus, tu vas rester comme ça pour souffrir. Recevez la miséricorde. Recevez la grâce. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu arrive. Et pleure. Sois consolé. Sois fortifié. Elle est orpheline de père et de mère. Elle est orpheline de mère. Et elle est orpheline, oui, de mère. Elle est la perdue de Dieu. Soyez fortifiés. Elle aussi, elle a perdu les deux. Attrapez-la. Yako, attrapez-la. Yako. Les gens qui pleurent, même son mari l'a laissé. Elle a de beaux enfants. Soyez fortifiés. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Prenez. La maman même est en train de pleurer. Une maman qui pleure, c'est que l'onction est là. La main de Dieu est là. Reçois la grâce. Celles-là, ils n'ont pas voulu qu'elles se marient. Maintenant qu'elles sont mariées, ils sont fâchés. Ils veulent gâter sa vie. Mais ils ne pourront pas. Elle a son mariage à vivre. Celle-là va bien accoucher. La grâce de Dieu est là. Il reste à la fin de te voir ta vie. Ma jolie Libanaise, je suis content de te voir. Monte mon enfant jusqu'à ce que tu arrives à ta voiture, ta 4x4 garée en bas de l'église. Jusqu'à ce que tu arrives à 4x4, tu vas commencer avec une petite voiture pour te déplacer. Et tu vas terminer dans une 4x4. Ta vie sera rose. Elle sera en rose. Wow, il est fort. Car il a changé. Comment ne pleure pas? Le Seigneur touche ta vie. Yeah, il est grand. Pas ton mariage va te surprendre. Toi aussi. Écoutez ce qu'il dit et puis vous allez passer sa vie. Ça va vous surprendre. Dieu te lève. Tu montes au 4e étage avec Dieu. Dieu t'envoie des 4e dimensions. Mais là, tu montes des 4e dimensions. Ma vie, ton mariage, il est là. Faut regarder ça. Dieu te bénisse dans tes soucis. Tes camarades commencent. Mais toi, tu vas les rejoindre. D'autres se sont mariés. Regarde, tu vas les rejoindre. Ne pleure pas, ma fille. Mon enfant est de retour. Je libère la grâce sur toi. Merci Seigneur, tu seras célébré. J'entends victoire. J'entends victoire. Ta gloire. Toi, tu seras une grande commerçante. Quand tu vas te marier comme Marie va te donner la vie. Tu ne seras pas dans les rues devant l'église, mais tu seras devant votre villa ou devant un grand magasin. C'est ce que je sais. Il est là, laissez-moi vous toucher. Il ne faut pas pleurer, ma fille. La main de Dieu est sur toi. Le Seigneur va faire quelque chose en 15 jours. En 15 jours, 2 semaines, il va faire quelque chose. Aïe, aïe, attrape, il ne faut pas pleurer. L'onction descend. La main de Jésus te touche. Ta situation change. Ta situation change. Voilà la grâce de Dieu. Toi, tu vas voyager. On va monter, on va descendre. Tu vas quitter l'Afrique. Tu vas voyager.
reçois la grâce pour témoigner. Laisse-moi passer. Reçois la grâce pour témoigner. Tu seras l'une des filles de papa Lou qui va se marier vite. C'est l'Esprit de Dieu qui me dit ça. La grâce de Dieu est sur ce homme. Ça va te rendre riche. Ça va te bénir. Jésus-Christ va te rendre riche. Il faut retenir. Tu as dit, à Pasteur Christ m'a dit ça. Parce que je vois l'argent venir de partout. Toi, approche-toi de Dieu. Accroche-toi de lui. Tes ennemis sont nombreux. Mais tu vas t'en sortir. Tu vas réussir. Attrapez-le. Et te le dis pas à terre. Sors. La grâce de Dieu est sur toi. Laisse-le. Il a beaucoup de problèmes, mais ça va changer. Prenez son séminaire. Prenez son séminaire. Merci. La manche. Paris. On va monter un pont aujourd'hui, la planche est partie. Il n'y a pas ta place ici. Quand je regarde dans mon domaine spirituel, je ne te vois pas encore, tu vois. Montre ma vie, ton mariage sera pleuré. Ça sera célébré. Mets la douce à terre, ne bloquez pas les gens. Merci pour ma nouvelle vie. C'est moi qui vais célébrer ta dot de ton mariage. C'est moi qui vais t'accompagner à l'aéroport. Au nom de Jésus, prenez-la. Voilà mes enfants, vous allez voyager. Dès que j'ai regardé ton mari en train de voyager, un moment fou de vous allez vous reposer en France. C'est moi qui vais célébrer votre mariage. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Ce temps, je ne connais pas. Il arrive, il prend enveloppe en même temps. Lève tes mains. Malédiction familiale, malédiction ancestrale, je prie les yeux, va-t'en, au nom tout-puissant de Jésus, dites Amen. Voilà ma nouvelle fille de gloire, lève ta main, tu es venu pour prendre ta grâce, je libère ton mariage, reste derrière elle, je libère ton mariage, c'est ça que tu es venu prendre, déblocage financier, mariage, reste derrière elle, déblocage financier, mariage, reçois. Je déchire la vie de célibat qui est sur toi. Je déchire la vie des problèmes. Je te réveille de la vie de Dieu. Je vois l'or partout sur toi. Je vois l'or partout sur toi. Partout il y a l'or. Reçois la grâce au nom de Jésus. Tu seras célébré. Tu joueras dans l'or avec. On m'a dit, n'a jamais joué dans l'or. Jamais là tu dois jouer. Là tu bois comme ça. Autant d'un temps, faut pas croire comme ça. Tu peux jouer dans l'or. Faut arrêter. Sinon tu vas pas arriver loin. Merci Seigneur. Anita, la gloire de Dieu est sur toi. À la fin, je vais te voir dans la vie. Montre mon enfant. Elle est pleine de police. Le ministre du gouvernement. Réussis ma fille. Réussis. Toi aussi, réussis. Mets la douce à Dieu. Pendant un mois, Jésus-Christ de Nazareth. Tous les commandos, le mercredi, jeudi, vendredi, en tout noir. Vous cherchez tricot noir, chemise noire. Vous portez le haut. Il y a trois jours. Patricia, mon bébé, tu as béni. Tu as béni. Il a changé. Là tu vas voyager. Toi, approche-toi. Ceux qui sont autour de toi sont trop. Prenez le bébé, c'est là. Elle est même à l'aider. Prenez le bébé de Jésus. Prenez son bébé dans sa main. Il est malade. C'est sûr, elle ne veut pas passer. Tu as venu pour deux choses ce matin. Tu as venu pour une femme. Tu as venu pour une nouvelle financière. Grâce à elle, un esprit est en train d'attaquer son enfant et sa femme. Mais Dieu m'a dit, elle-même a fait un rêve où je chassais l'esprit de mort. La Bible dit, Dieu parle à ses enfants tantôt. C'est le même esprit de mort qui attaque. Il a choisi l'enfant parce que par contre, c'est lui qui a dit toi. C'est parce que je vois tout. Sonne.
sur Sodel. 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 Par l'autorité que Dieu a fait de moi son père. Sodel. Attendez, il va se manifester, il va partir. Sodel. Attrapez la main, la mettez pas à terre. Aujourd'hui, on va poser des options. C'est bon, monsieur, il va partir. Quand il va la libérer, il va libérer l'enfant aussi. Parce qu'elle n'a pas fait un rêve où il prie pour l'enfant. Dans le rêve, c'est pour elle-même. Qui es-tu? D'où viens-tu? Parce qu'elle a commencé à servir Dieu. Parce qu'elle a commencé à prêcher. Parce qu'elle a commencé à enlever la sueur du front de son père. Ah bon, c'est ça. D'où viens-tu? Voilà, elle a commencé à se manifester. Attrapez-le. Venez. Aujourd'hui, c'est la délivrance de Julie. Venez, on va prier pour elle. Venez, on va prier. Elle a commencé à prêcher. Elle a commencé à faire sortir 200 000. Aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle est déjà à 80 000. On n'a même pas encore à la fin du mois. Elle a déjà 80 000 dans sa main. Et l'esprit de moi a attaqué son enfant. Il était hospitalisé. Ils sont sortis. Et elle-même, elle a fait rebondir de chasser l'esprit de moi. Tendez la main vers elle. Il y a un esprit qui veut stopper sa vie. Il y a un esprit qui veut stopper son élan. Cette fille a soupiré beaucoup mon ministère. La mort s'est levée contre elle. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Sors de mon enfant. Par l'autorité que Dieu m'a donnée, je brise tes œufs. Elle est dans un cercueil. Je la vois dans un cercueil. Esprit de mort, libère la vie de ma fille. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Il va se manifester. Continue de prier. 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 Allez, sort. Libère sa sangra. Libère sa vie. Libère sa vie. Esprit de mort, va-t'en. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Va-t'en. Il y a des gens que tu peux prendre. Et il y a des gens que tu ne peux pas prendre. Sors de mon enfant. Sors d'elle. Allez, va-t'en. Le feu dans ta yeux. Le feu dans ta yeux. Tout esprit de maraboutage. Tout esprit de mort. Tout talenceux. Ça retourne à l'envoyeur. Esprit de mort. Sors de ce corps. 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 J'entends dans mon esprit. Quand on attaque la tête, ça descend sur le corps. On a bien attaqué la tête. C'est pourquoi l'enfant est malade. On attaque la tête. C'est pourquoi l'enfant est malade. Qui va guérir? Qui va se sentir mieux? C'est là l'enfant aussi va se sentir mieux. Manifeste le sort. Au nom de Jésus. Father. Father. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Laissez tranquille. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Laissez tranquille. Il va partir. Il va partir. C'est la première fois que je la délivre comme ça. Il va partir. Voilà. Il est en train de pleurer. C'est pas un qui est là. Il va partir. Elle dit, papa, il a fait un rêve où tu chassais la mort. Tu chassais la mort de moi. Elle est en train de faire une œuvre où ma sueur ne sort plus. À la fin du mois, elle me remet 240 de quelques mois. Ouais, avant, c'est moi qui faisais sortir la jeune. Un jour, elle dépensait 300 000 pour organiser une nuit. Maintenant, elle a mis une structure sur pied. Chaque mois, chacun lui a mis 5 000, 10 000, 15 000, 5 000. Et quand elle colle, elle me donne tout. Et ça me permet de faire les programmes et ma sueur ne brûle. Elle me met donc 100 000 par mois. Si vous aimez vraiment Dieu, qu'elle va se lever, allez mettre votre main. Chaque fin du mois, il peut donner 5 000 à Dieu. Ça va nous permettre de faire les programmes. Le programme de Marco, il est 5 jours qu'on va faire. Vous savez, ça va faire quoi? Si ça arrive, ça fait 400 000. 700 000. Sors de mon enfant. Sors de ma vie. Va-t'en. Esprit de mort, c'est à toi que je parle. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Maraboutage. Esprit de maraboutage, cola. Tout ce qu'on a fait, esprit de mort, retourne, retourne où tu as quitté, retourne où tu as quitté, libère ses yeux, libère sa vie, va-t'en, libère sa vie, il dit libère sa vie, et pendant que tu libères sa vie, tu libères celle de son enfant, va-t'en, il est là, donne-moi lui, il est là pour que tu quittes ce corps, il est là pour que tu quittes ce corps, il est là, laissez-le, il va se manifester maintenant, il est là pour que tu quittes ce corps, il est là pour que tu quittes ce corps, il est là pour que tu quittes ce corps, va-t'en, va-t'en. Il va se manifester. Il va se manifester.
il va partir. Quand va se sentir, laissez-la. Il est en train de rouler dans son corps. Quand va se sentir libéré, l'enfant guéri en même temps. L'enfant parmi ses enfants est le plus prophétique. Parmi ses garçons-là, c'est lui qui est le plus prophétique. Il m'appelle Dieu. Quand il cause à sa maman, il dit Dieu. Maman, Dieu a appelé. Pourquoi il dit Dieu? Je ne suis pas Dieu, mais il voit quelque chose sur moi. L'enfant là m'appelle Dieu. Et pourquoi il est malade? Parce qu'il est prophétique. Ça a commencé sur Leïla. Leïla dit elle a peur. La fille de cette femme, elle a peur qu'elle est dans la chambre. Quand elle est seule, elle a peur. On dirait à quelqu'un qui est là. Et son mari même a vu un esprit. Le foyer a attaqué. Mais aujourd'hui, Jésus l'a libéré. Jésus l'a libéré. Va-t'en. Hey, on n'a pas tout le temps. Hein. Les gens sont fatigués. On doit aller à la maison. On n'a pas tout le temps. Sors. Tous ceux qui aiment Julie, priez certainement. Ça, là, ça a été une restauration. Reçois la vie. J'entends dans ma tête de résurrection. Ah, pouvoir mourir dans le jugement. Ah, pouvoir mourir. Amenez l'enfant maintenant. Si la maman est libérée, l'enfant aussi peut être libéré. Il a dormi à l'hôpital pendant plusieurs jours. On dit, il mange plus, il a plein dans sa bouche. Dieu, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Où elle est? Elle a gagné. Il est bien désiré, elle sa onction. Elle est là, elle croit sa onction. Elle a perdu ses deux parents. C'est comme Agassa et puis les autres qui ont pris. Venez, vous calmez tous les deux. Jacob, elle a beaucoup d'enfants. Elle a perdu ses deux parents. Elle aussi, ses deux parents sont morts. Toi, tes deux parents sont vivants. Moi-même, mon papa est pas là. Le frère est pas. Lui, l'enfant, il est libéré. J'entends cimetière. Quelqu'un a pris son nom. Quelqu'un a pris quelque chose de lui qui est passé au cimetière. J'entends cimetière. Même couvent, s'il est pauvre, tu n'es pas dans les deux communes. J'entends tout au derrière là-bas. J'entends cimetière. Et puis, je me retrouve à Mira couvent, cimetière de couvent, s'il est pauvre. Quelqu'un a pris quelque chose de toi. Pour aller mettre ça dans le cimetière. Et de la façon au cimetière, il n'y a pas les vivants, il y a les morts. Ça a tué toute ta vie, tout est mort. Tout est paralysé. Tout est bloqué. Reste derrière lui. Au nom de Jésus, t'attends. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Sors. Il y a un esprit de mort dans sa vie. Au nom de Jésus. Va-t'en, sors. Satan, il perd ce corps. Sors de lui. Je veux les commandos, les guéris, et André, va chasser. Levez la main. Ne pleurez pas. Jésus est votre papa. Tu peux t'asseoir. Ne pleurez pas. Jésus est votre papa. Il est votre papa. Il est grand. Ne pleurez pas, mon enfant. Jésus est ton papa et ta fille. Yeah. Tu te sens comment? C'est
ton rêve qui vient des autres. Tu étais couché dans ce cœur. Et puis après, maintenant, tu étais à la mort. C'est un gros esprit. Et l'enfant, il est sensible. Donc, vous devez vous ressentir. Ça a commencé par Leïla. Quand tu es venu à ta maman, ça a commencé par Leïla. Leïla dit, elle a peur d'être dans la chambre. Maintenant, quelqu'un est là. Tu dis, ton mari aussi avait une femme. Une femme, et puis qu'elle a crié, elle a disparu. On veut vous tuer. On ne peut plus vous tuer. Il a dit, on ne peut plus vous tuer. Ta mort. Jean, quand tu sois ressuscité, ben, il attend la matière de Jean, j'entends la mort qui est qu'on vous a lancé. J'entends que ça s'en va prendre la personne. Amen. Je donne 7 semaines. 7 semaines, ça fait combien de jours? Non, 7 semaines, ça fait 7 semaines. 7 fois. 7 semaines, ça fait 1 mois. 3 semaines. Ton mari ou ta maman va t'annoncer une nouvelle. Si ça va de la villa de ta maman, ça du côté de ton mari. Je te donne 1 mois, 3 semaines. C'est 1 mois, 1 semaine. Non, 7 semaines. 1 mois, 21 jours. 3 semaines. 1 mois, 21 jours. 1 mois, 21 jours. Je te donne 1 mois, 21 jours. Les nouvelles vont venir soit du côté de ta maman, soit du côté de parce qu'on voulait te prendre. Oui, ma fille, on vient me parler. Le mois passé. J'ai fait dans la nuit, bon, le mois passé, j'ai eu peur de dire vraiment, excusez-moi. Le mois passé, j'ai vu ma soeur, elle disait qu'elle a cancer des têtes, sa tête là, toute sa tête en train de tomber. Et quand je me suis réveillée, mon mari, j'ai prié. Qui m'a dit, moi-même, que Julie, pardonne, la cancer de tête, tout en train de faire. Et je me suis réveillée, j'ai prié. Mon mari aussi, on a prié. Mais la seule personne a dit, franchement, j'ai eu, ça, ça là, c'est un peu délicat. Et j'ai dit à l'Alphonse, en tout cas, si tu as prié, c'est que Dieu va faire la temps continuer en prière. Donc, c'est ce qui est arrivé. Moi aussi, j'ai dit quelque chose. Vraiment, l'Esprit de Dieu est un, là, il a vient. Quand on a prié à la maison, on est en train de combattre. Quelle est la parole que le Seigneur nous a donnée en prophétie? Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit que la personne qui voulait lancer la mort, la personne est déjà morte, que ça retourne sa partie. Voilà. Donc, ce que Dieu nous a dit à la maison, là, c'est ça que l'homme de Dieu qui n'était pas avec nous a répété. Parce qu'on est en train de prier et puis l'Esprit de Dieu dit, la mort qu'on t'a lancée là, va repartir prendre la personne qui est en toi. Et puis Dieu, l'homme de Dieu qui ne sait pas, là, comme ça il a appelé la petite femme. Comme ça il a appelé pour qu'elle vienne témoigner. Donc quand il a donné la parole, elle et moi on s'est regardé, parce que Dieu avait parlé déjà. Que la gloire revienne au Seigneur. Mettons-nous à genoux, remercions le Seigneur. Nous allons lui lancer une maladie qui allait la tuer. Remercions le Seigneur. Nous te remercions, nous te remercions. Nous te rendons pour toi. Parce que Dieu. Remercions le Seigneur. Disons merci au Seigneur, sinon ma fille allait mourir comme ça. Ils allaient la tuer par maladie, qui allait le porter. Quel Seigneur tu es? Que ton nom soit. Merci de libérer la vie, de libérer sa vie. Merci de vous. Que la gloire te revienne au nom tout puissant de Jésus. On dit ça toi, amen. Amen, 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 amen. J'entends dans ma tête, Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Lève ta bouche. On va s'asseoir, on va faire les offrandes. Replacez les chaises comme c'était, les commandos. Replacez les chaises comme c'était. Que tout le monde s'assoit. Allez, ça va toucher. Tant qu'on n'a pas fait de lèvres, elle va vous voir venir ici. C'est la présence de Dieu.
On va donner à Dieu pour la partie. Prends une bonne offrande, prie là-dessus. Prends une bonne offrande, prie là-dessus. Dans mon livre. C'est toi que je cherche. Tu attendais dans le bureau pour me dire. Et bizarrement, quand les gens venaient, ils disent, c'est dans la cassette, ils disent, les gens vont voyager. Et puis il dit, il y a trois personnes qui vont voyager, c'est pas que je sens dans mon esprit voyage. Et c'était le même chemin que mon mari a fait mon fils. Ah, bizarrement, quand il a touché tout le monde, les responsables venaient. Et puis il est là ici. Il dit, je sens voyage. C'est comme ça tout à l'heure, je dis dans mon esprit voyage. Quelqu'un va partir hors d'habitude. Hors de la Côte d'Ivoire, hors de la foule, c'est pour ça que quelqu'un qui est venu là. À partir d'aujourd'hui, je vivrai à vos maisons. Je vivrai à vos maisons. Je vivrai à vos maisons. À partir de la fin du mois, il ne prend plus l'argent de quelqu'un pour payer ma voiture.
quand on arrive à la fin du mois, je ne prends plus l'argent de quelqu'un pour quelque chose. Vous qui n'êtes pas encore venu dans mon bureau, vous devez prendre quelque chose. L'œil du Seigneur est sur vous. Votre papa a servi Dieu pendant 26 ans, il n'a jamais demandé quelque chose à Dieu. Pour la première fois, il dit maintenant, il ne doit plus marcher. Il a besoin d'une voiture. Hier, il a attrapé mon fils Olivier, on dit quoi, il dit à la fin du mois, il te donne les 1 million. Il y a une autre personne qui a donné ses 2 millions 5. Il y a d'autres qui ont donné l'enveloppe de 100 000. Mais ce que vous faites, qui vous a dit que c'est 100 000? Les gens m'ont donné 5 000. Les gens m'ont donné 10 000. Il n'y a plus l'enveloppe de 15 000. Mais vous qui ne vous levez pas, vous êtes des enfants indignes. Votre papa marche, il a arrêté là. Programme fini. À nos pouvoirs, on a fini d'entrer. On est arrivé sur la route. Quand on dit Margot, il dit on ne va pas là-bas. On ne sort pas de l'école. On s'est arrêté quand c'est le dernier qui nous a pris à 4 000 francs. Votre papa avait payé sa voiture, il ne peut pas vous lever 5 000 pour lui donner. Depuis janvier, on a parlé, quand on dit ça fait 3 mois, tu n'es pas dedans. À partir de la fin du mois, je boucle. Je boucle. Si mon argent a fait prendre Woro, je vais prendre Woro. Si l'argent que j'ai eu là, ça peut prendre taxi, je vais prendre taxi. Si ça peut prendre voiture pourrie, je vais prendre. Mais si on se moque de moi, de ma voiture, c'est sur toi ça descend. Toi et puis ton mari, ça descend sur toi. Parce que si elle prend une voiture collant, c'est sur lui, ça descend. La voiture est garée au garage. Le monsieur là, lui, il vend une voiture. Et si tout de suite, à quelqu'un vient de lui, il dit qu'il ne vend pas la voiture parce que le pasteur s'est assis. Vous savez, la personne, il respecte Dieu. Il dit c'est un pasteur, le veut qu'il n'a qu'à prendre. Donc, sûrement, quand les gens veulent payer, ils tournent. Ils tournent, ils disent non, l'argent n'arrive pas. Pour que moi, je puisse prendre. Mais le temps qu'il a donné, c'est une voiture de quelqu'un qui vend. Parce que quand on cause un, il appelle le monsieur aux États-Unis. C'est une voiture américaine, Ford. Là, c'est marque États-Unis. Il appelle le monsieur aux États-Unis pour parler. Donc, à partir de la fin du mois, si c'est non, parce que il me dit non, moi, il a payé essence. C'est-à-dire, payer la voiture, moi, c'est essence. On va mettre essence dedans. Si on n'a pas voiture, on met essence comme ça. Il y a des soldats de mon niveau bien vu Olivier. Il est venu chercher sa femme chez moi. Parce que là, c'était l'anniversaire de ma femme. Il a dit mon fils, on dit quoi? Il dit, à la fin du mois, c'est sûr, je donne mes 1 million. Acclamons le Seigneur. Il y a une personne de plus en plus sur moi qui a dit, qu'elle est 2 millions. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous le reste, là, venez prendre. Parce que quand il y a un terme, on a fini. Ça n'a plus sa raison d'être. On a fini, on va faire prière finale. Donc, à la fin du mois, quand on termine, je ne prends plus le nom de quelqu'un. Toi seul, être ton nouveau père, et je ne serai plus ton père. Tu vas aller chez ton nouveau père, on va parler faire ton nouveau frère. Donc, rentrez dans le bureau, venez prendre votre bureau. 5 minutes à 1 milliard, c'est là. Venez prendre. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont bien dit. Amen. Voilà. Maintenant, le mercredi, je vais être avec vous. Voilà, je pense. On va respecter les flots musicales. La fille qui monte après 19h30. Ça veut dire que quand on dit 19h30, celle qui monte, je ne veux pas la voir au micro. À 19h45, le groupe musical est là. Le groupe musical est là à 19h. Les hôtesses, Nadège, tu viens me faire ton rapport aujourd'hui dans mon bureau. Qui sera là et qui sera pas là? Je t'attends dans mon bureau. Je vais enlever tout ce qui est désordre dans vos corps. La fille qui s'amuse à venir après 19h45 à toucher mon micro. Vous me connaissez, c'est devant les gens là, vous oubliez. Laisse le micro, puis descend. Va descendre. Vous allez vous préparer à la maison. Et vous venez chanter. Et vous jeûnez même. Descendez à 18h. Les commandos, vous cherchez l'eau noire. Tout ce qui est habit noir, tricot noir, chemise noire, pas tricot, vous n'êtes pas dans la maison de tricot noir, chemise manche longue noire. Voilà, vous êtes en tout noir les 3 jours. Vous attrapez les gens. On va faire un séminaire. Le séminaire veut dire qu'on donne une tête et on reste dessus pendant plusieurs jours. Ma narratrice, elle ne sera pas là. Il faut que je trouve une autre narratrice pour lire. On va faire quelque chose de sérieux. Le dimanche, je prends le culte moi-même. Premier culte, je suis là comme dernier. Il y a un voisin qui me fuit. Comme on parle de voiture, ils savent que le Dieu ne veut pas faire le culte. Ils viennent faire le culte premier, ils descendent, ils fuient. Ils viennent faire le deuxième culte, ils fuient. Là, quand ils viennent, ils ne les voient pas. Quand on va payer la voiture, hey, on voulait payer, mais on n'a pas eu le temps. Vous avez une intervention, qu'est-ce qu'on a pris? Un ancien bandit de Marco, nous pensons qu'on a plus rien que moi. Des fois, ces gens me fuient. D'autres fois, on semble de venir à l'état. Oh, on est venu, c'est bien parti. Donnez votre argent, on a payé la voiture. Quand il a payé ma voiture, n'allez plus me voir.
c'est quand on fait prière finale, vous entendez en bas là-bas, vous, vous ne cherchez pas votre enfant pour aller au programme. C'est pour vous, les charges matières. Quand le programme finit, mon transport, mon transport. Olivier, je vais faire prière finale. En ce moment, on est venu quartier dans un moment là-bas. Agnement, nous, il ne faut pas caler ton arrêt retour. Quand Olivier commence, l'éternel est mon berger répété. Vous entendez sur la route là-bas. Vous savez quoi? Vous allez tomber là. Ne cherchez pas votre arrêt retour. Ça tombe de vous depuis le printemps. Maintenant, la dernière information, et puis on fait la prière finale. Le mercredi, dernier jour de ce mois, on jeûne 3 jours. Ça finit vendredi. Quand le mercredi, on jeûne. Et puis on vient au séminaire. Le jeudi, on est au Vatican. 1er avril, on s'en regarde comment Jésus lui a frappé pour nous. Il a vous enseigné pendant que le film passe. Le vendredi, tout le monde jeûne, la nuit de la guerre. Maintenant, le samedi, on ne jeûne pas. Vous partez chez le champ d'Ao. Quand ça finit, vous nous trouvez au petit marché. Ça commence à 18h. Il a voulu mettre balai. M'en dit la maman de l'église, ça va danser. Là, on regarde tout balai. Donc, nous tous, on vient en danse. On mélange tout en danse. Maintenant, si les hôtesses veulent faire balai, les enfants de l'école du monde veulent faire balai, si les chants aussi veulent faire balai, elles choisissent leur musique. Et quand on dit, voilà, on va écouter, on va regarder les chants, elles vont faire leur balai. Ça dépend de vous. Mais 3 heures pour occuper aussi. Il faut qu'il y ait des jeux, il faut qu'il y ait des danses. Sinon, on ne peut pas danser pendant 3 heures. Voilà. En danser pendant 3 heures, nous, qu'il y a, ça va trembler comme ça. Mais ça pour le Seigneur. Maintenant, le dimanche matin, lui qui vient ici, lui seul est le sorcier, on fait tout ici dans la tête. Le dimanche matin, nous tous on est en Marco sur le terrain. Le podium va rester sur le terrain pendant 3 jours. Donc quand le culte finit, on sert à manger. Marie m'a donné une idée. Dans les marins, elle a les petites assiettes, quand on va manger, voilà. Poulet, cuisse de poulet, un autre pinceau, on met la pâte dessus. Ou si ça check, on met sucrerie, le poisson, on met musique, on danse jusqu'à 18h, on sert à la maison. Le lundi, férié de Pâques. Le carga ici, je dois terminer 500, je vais à la plage. À 18h, tout le monde sort de l'eau pour le dire. Prions pour que les 5 jours réussissent. Tant que peut-être. Prions pour que les 5 jours réussissent. Prions pour que les 5 jours réussissent. Que Dieu mette sa main sur les 5 jours. Prions. Prions le 5. Prions le 5. Qui a dirigé? Viens faire la prière finale. Prions pour que les 5 jours réussissent. Il me dirige près des eaux paisibles.
qui restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta voix et ton bâton me rassurent. En face de mes adversaires, tu dresses pour moi une table. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Et mon voyage déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va dire trois fois amen. 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 Amen.